Bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois que tu débarques ici, je me présente. Je m'appelle Aku et en ce moment même, je me trouve au Togo. Et j'ai donc prévu de vous faire une série de vidéos pour vous parler un peu plus du Togo. Si ce genre de vidéo t'intéresse, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et à cliquer sur la cloche pour être averti dès que je mettrai une nouvelle vidéo en ligne. Dans cette vidéo, j'ai envie de vous présenter un artiste que j'apprécie énormément et qui m'a aussi gentiment laissé filmer ses tableaux dans son atelier. En général, j'aime beaucoup les artistes peintres togolais. J'admire leur manière de détourner les objets du quotidien pour en faire des œuvres d'art. J'aime beaucoup aussi la manière de s'exprimer à travers des tableaux et des fresques. Si vous êtes un amoureux de tableaux, je vous conseille vivement d'aller jeter un coup d'œil sur les panels d'artistes togolais. Vous ne serez pas du tout déçus. Je ne me vois pas citer tous les artistes du Togo, mais je me dois quand même de mentionner un de nos plus grands artistes qui nous a malheureusement quittés en 2010. Il s'agit bien évidemment de Monsieur Paul Ayi. Il a notamment dessiné le drapeau togolais. Il a aussi participé à la création du statut du monument de l'indépendance du Togo. C'est un grand artiste qui est connu aussi à l'international. Vous pouvez admirer ses œuvres au Mali, au Nigeria, en Europe comme en France ou encore en Italie, même en Corée du Sud. Je ne veux pas que cette vidéo dure une éternité comme la précédente. Je vais donc m'arrêter ici. Je vous propose de vous publier la suite de la vidéo le vendredi. Si vous êtes curieux et vous avez envie de
découvrir l'artiste qui se cache derrière ces tableaux que vous êtes en train de regarder en ce moment. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Si vous avez apprécié cette vidéo, faites-le-moi savoir en me laissant un pouce en l'air. Moi, je vous dis à très vite dans une très prochaine vidéo. À vendredi. Thank you.